venez de sortir d'une audience avec le président de la République, est-ce qu'on peut savoir les sujets sur lesquels vos échanges vont porter? Évidemment, lorsqu'on rencontre le président de la République, on parle des affaires de la République. Et je voudrais donc, au nom de la délégation du Front populaire ivoirien, commencer par dire vraiment merci au président de la République de l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir à l'audience. C'est une audience que nous avons sollicitée il y a plusieurs mois. Malheureusement, les conditions sanitaires n'ont pas permis au président de nous recevoir à l'époque. Cela vient d'être fait. Et nous en avons donc profité pour évoquer avec lui le sujet d'intérêt national. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, le sujet d'intérêt national tourne autour de la réconciliation nationale, de la paix, de la stabilité et politique et sociale de notre pays. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en suspens et qu'il faut solder depuis peut-être une dizaine d'années, mais particulièrement depuis les élections de 2020, que vous avez suivi, un certain nombre de frères et de sœurs ont fait l'objet d'arrestation. Beaucoup d'entre eux ont été libérés par moi-même, mais quelques-uns sont encore en prison. Donc nous avons évoqué ce sujet avec le président de la République. Nous avons évoqué le sujet de quelques frères, de quelques camarades fonctionnaires qui ont été radiés. Et comme il y a une jurisprudence qui vient d'être pratiquement édictée à travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil au Ghana, nous avons souhaité que le président examine avec l'administration le cas de tous ses camarades qui ont été radiés dans le cadre de la crise de 2010. S'ils ne peuvent pas être réintégrés, que des mesures de compensation leur permettent de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Il y a la situation de quelques planteurs d'EVA. Personnellement, j'ai été saisi du cas de la SAFIC au niveau de Grand Laou, où près de 400 planteurs sont en contentieux avec une entreprise de la place sur un montant de près de 5 milliards. Et ce dossier a trait depuis plusieurs années. Ils m'ont expressément demandé d'évoquer ce sujet avec le chef de l'État, ce qui a été fait. Et je pense que dans les jours, semaines à venir, le gouvernement, le premier ministre va se pencher sur ce dossier. Et puis, il y a les perspectives de 2025. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour engager les discussions. Et donc, je crois que le premier ministre va être instruit de manière à ce que le dialogue politique se reprenne avec les partis politiques pour que ce qui a été à l'origine des problèmes de 2020 puisse être discuté, que nous puissions trouver un consensus largement longtemps avant l'échéance de 2025, afin que 2025 véritablement permette à la Côte d'Ivoire de tourner la page des élections contestées ou des crises électorales, et que ce soit une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays. Donc voilà en substance les principaux dossiers que nous avons évoqués avec le chef de l'État, tout en lui affirmant la position du Front populaire ivoirien d'être un parti de proposition, un parti d'opposition responsable, constructive. Et donc nous sommes pour la paix et pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Nous sommes toujours disponibles et le chef de l'État peut compter sur nous. Merci.